Alors, comment fait-on du marketing de communauté? Comment fait-on venir ces gens dans une communauté? C'est pas simple. Alors pour ça, je suis allé piocher dans un vieil ouvrage qui s'appelle NetGain. Hagelin Armstrong, 1997, sa traduction française 1999, Bénéfices pour le net. Et dedans, c'est un bouquin qui raconte l'historique des communautés en ligne. C'est assez intéressant, un peu passé, quoi. Par contre, il y a un chapitre 7 de mémoire, qui s'appelle The Gardener's Touch, la métaphore du jardinier en français. Et ça, ce chapitre-là, il est génial. Parce qu'il va vous expliquer vraiment comment ça fonctionne. Et la méthode, elle est simple, je l'explique ici avec mon schéma. Elle est en trois étapes. D'abord, une étape d'amorçage qui s'appelle seeding. En français, j'ai appelé ça planter. Ensuite, une étape d'arrosage, feeding. Hein, donc, on fait grossir la plante. Et puis, une étape d'élagage, weeding. Bon, littéralement, enlever les mauvaises herbes. Alors, pour expliquer comment ça fonctionne, on va d'abord prendre une métaphore, ensuite prendre un exemple. Je vais prendre une autre métaphore que le jardinier, je vais prendre une métaphore d'un restaurant. Vous arrivez dans une ville, vous ne connaissez pas, mettons en Thaïlande, j'en sais rien, par exemple. Et vous arrivez dans une rue où vous avez deux restaurants thaïlandais qui proposent exactement le même type de cuisine que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas les standards d'hygiène, vous n'avez pas vu TripAdvisor, vous ne savez pas ce qu'ils se valent. Mais à gauche, vous en avez un qui est plein et à droite, vous en avez un qui est vide. Alors, dans lequel allez-vous vous rendre? Bah, à l'évidence, en temps, j'en ai un qui me dit l'inverse pour me contrarier, mais en général, on dit plutôt dans celui qui est plein, parce que même si je fais la queue, d'ailleurs, vous avez vu chez Big Mama, hein, tout le monde y va, donc tout le monde fait la queue. Et plus on fait la queue, et plus il y a des gens qui font la queue. C'est assez impressionnant. Ça, c'est du bouche à oreille. Voilà. Donc, on va aller plutôt là où c'est plein que là où c'est vide. Donc, c'est pareil, quand je vais vouloir créer un espace de communauté, est-ce que je vais aller dans un espace communauté qui est plein ou est-ce que je vais aller dans un espace de communauté qui est vide? Quelle va être la chance que j'ai un bénéfice commun dans un espace de communauté qui est vide ou dans un espace de communauté qui est plein? Ben, j'ai plus de chance dans un espace de communauté qui est plein parce que c'est là que je vais trouver des gens qui vont pouvoir me répondre. Donc, cette phase d'amorçage, elle est très importante. On prend un deuxième exemple, hérité de l'histoire des médias sociaux, c'est Wikipédia. Tout le monde connaît Wikipédia, même s'il y a peu d'entre vous qui ont participé, et maintenant ça devient de plus en plus dur, participer à l'écriture des articles. Dans Wikipédia, en fait, il y a un trésor de choses à apprendre, parce que Wikipédia, on imagine, ça s'est créé en 2004 ou 2003 plutôt. En 2004, ils se sont mis en ligne, puis il y a des gens qui imaginent que, clac, ça y est, il y a eu de la collaboration, tout le monde s'est mis à rajouter des articles, et ça a marché tout seul. Bah, pas du tout. Ça marchait pas du tout comme ça. Wikipédia, il y a deux, comment dire, fondateurs, enfin, il y a un fondateur et puis une autre personne qui travaillait avec lui, il y avait Jimmy Wales, qui est toujours là, d'ailleurs, et puis il y avait Larry Sanger, qui travaillait avec Jimmy Wales, et c'est Larry Sanger d'ailleurs qui a eu l'idée. Il n'a pas eu de chance, il s'est fait virer pour garçon, mais c'est lui qui a eu l'idée de transformer une encyclopédie qui s'appelait Newpedia, qui était leur projet, hein, qui venait de faire faillite. Ça a commencé par une faillite, et de le transformer en un wiki. Donc ils sont allés appeler un personnage qui s'appelle Walt Cunningham, qui est l'inventeur du wiki, 97 de mémoire, l'invention du wiki. Mais donc en 2003, ils ont installé ce wiki et puis ils ont mis tous les articles qu'ils avaient. Il y en avait, je sais plus, 30 000 ou un truc comme ça. Vous allez voir les statistiques de Wikipédia, ça commence à 30 000 articles. Alors forcément, ils ont eu un énorme référencement, bien entendu, dès le début. Ça les a beaucoup aidés. Et puis, eh bien, au fur et à mesure, deuxième phase, feeding, eh bien, il y a des gens qui sont venus au fur et à mesure rajouter et rajouter et rajouter. Et donc cette phase-là, elle a duré très très longtemps. Et puis au bout d'un moment, il y a eu des scandales, des gens qui sont venus écrire des choses qui étaient fausses, des fake news. Oui, on dit fake news maintenant aujourd'hui. Mais à l'époque, on ne disait pas fake news, on disait de fausses informations, quoi, ce qui est le cas.
Et alors là, ils ont mis en place une modération décentralisée. C'est ça qui est très intelligent dans Wikipédia. Hein. Vous pouvez essayer de rajouter une ligne, poum, elle sera enlevée tout de suite, quasiment. Sauf sur une page obscure, elle mettra un petit peu plus de temps, mais sur une page assez connue, il y en a même qui sont même carrément fermées maintenant, dès qu'elles deviennent un peu tangentes, trop politiques ou trop compliquées, ben, il les ferme à la collaboration. Et puis, voilà, donc c'est cette phase de reading qui est très importante. Et c'est d'ailleurs, si on se repenche sur l'histoire plus récente, ben c'est là que Facebook et Twitter échouent. Parce que ils essayent. Alors, je ne sais pas s'ils le font d'ailleurs de façon volontaire ou si c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ben, j'ose pas croire qu'ils n'ont pas compris qu'on ne peut pas modérer un système comme ça centralement, ce n'est pas possible. Facebook a embauché 10 000 personnes pour faire de la modération, mais ils n'y arriveront jamais. C'est pas suffisant. Donc pour pouvoir modérer, il faut pouvoir faire travailler la communauté et la faire organiser, auto-organiser elle-même. À partir du moment où la communauté fait le ménage, ça se passe relativement bien. C'est ce qu'a fait Wikipédia et les résultats sont heureux. Donc 3 étapes. Planter, arroser, élaguer, seeding, feeding, weeding, la métaphore du jardinier, quelque chose qu'il faut bien retenir.